Taxi! Taxi! Oh! Mais votre vie fait que commencer, alors respirez. Excusez-moi, madame, mais là, je suis vraiment pressé, ça se voit pas? Je suis un homme pressé, c'est comme ça, vous comprenez? J'ai encore 50 ans devant moi et je suis pressé. Je fonce, je ne peux pas m'arrêter. Je suis plutôt du genre à dépasser tout le monde. Je veux arriver, moi. C'est la vie. Arriviste. Il croit que ma course a eu lieu et que j'ai fini bonne dernière. C'est à cause de mes sacs. Quand il voit une femme qui marche dans la rue avec des sacs, il croit que sa vie a déjà eu lieu et qu'elle a perdu. Je viens d'hériter de 8 933 000 dollars et 21 cents. Et j'ai tout dans mes sacs. Bon, faut que je foute le camp, mais bon. Ah, je pensais que c'était la même chose, la mémoire et les souvenirs. Pas du tout. La mémoire, c'est vaste. C'est la boîte dans laquelle il y a tout le passé. Même ce que vous avez oublié. Même ce que vous avez mis sous le tapis ou à la poubelle. Les souvenirs, ce sont les moments que vous choisissez de garder avec vous dans vos sacs, bien au chaud. Vous les triez minutieusement, vous pigez. Or, même les mauvais souvenirs peuvent vous être utiles pour susciter des larmes de crocodile, pour amadouer, ok? Demain sera effrayant, si c'est ça que vous voulez. Aujourd'hui, rien ne peut se passer. La jeune femme dit, vous me reconnaissez? Non. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. D'accord? Question suivante. Vous connaissez Marie Leftakis? Marie Leftakis? Marie Leftakis, une grecque, grosse, elle couse? Son mari vendait des glaces? Oui, c'est elle. Elle m'a parlé de vous, de là où vous habitiez. C'est possible que vous soyez ma mère? Cette fille... Elle me parle du passé. Moi, je déteste le passé. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'avenir. Prendre du bon temps à partir de maintenant. Voilà qui ouvre de grandes perspectives, des avenues pleines d'aventures et d'amour qui sont de plus haut intérêt pour une femme comme moi. J'adore les toilettes de luxe. Elles ont quelque chose de merveilleux. J'adore les éviers des toilettes de luxe et les miroirs pissotés dans les toilettes de luxe. J'adore les chasses d'eau, les carrelages, l'odeur. Oh, mamma mia, l'odeur. Oh. Toujours ce parfum. Tad! Tad! Armes déposées, nos fardeaux demandent une trêve. Ton souffle venu du vent du monde. Tiens, te voilà sur la corde raide de mes rêves. Ta main passe en fraude mon univers s'inonde. Derrière ton ombre tout est d'or. On rencontre des gens très intéressants dans la rue, surtout tard dans la nuit. Des gens différents. Ah, les gens de la nuit. Ils ne connaissent jamais votre nom, ils n'en ont rien à faire, jamais. Une vraie marque de reconnaissance. Le genre qui fait qu'on se sent vraiment reconnu. C'est pas notre nom qu'ils aiment, c'est autre chose, de beaucoup plus intéressant. Il faut que je sois moi-même. J'ai pas peur d'être quelqu'un d'autre, mais souvent quelque chose m'attrape au collet et me dit « Non, 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 pas question, tu ne peux pas être quelqu'un d'autre. Tu es une femme et tu as un cerveau. Tu as un cœur et même si ça pleure tellement là-dedans, c'est le tien, c'est le seul dans son genre, tu dois continuer. » Parce que si je regarde la vie sous un certain angle, c'est un marécage. J'en ai rien à foutre des alligators. Ce qui me fait peur, c'est la boue. Et puis je veux rencontrer quelqu'un qui a besoin de moi. Pour que, quand j'aime, et je vais aimer, on puisse pleurer ensemble. Et avoir la certitude absolue que c'est de l'amour. En être tellement sûr qu'on n'aura plus besoin d'exister,
ni de regarder en arrière. Et si je dois démonter le monde pour en arriver là, je le ferai. Personne ne s'intéresse à toi. Alors, dégage. Non, 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 pas toi, Cho. Tu joues très bien. C'est cette nana-là. Elle me perturbe. Pour qui tu te prends? Je me prends pour moi. Eh ben voilà le problème. Tu devrais peut-être arrêter de te prendre pour toi. Alors moi, j'en peux plus, là. Je ne vais pas rester ici. Mettons, c'est un tel état, cette fille, mais je ne sais pas. Vous réagissez toujours comme ça quand vous voyez une jeune femme? Oui, toujours. Comme c'est intéressant. Est-ce que vous auriez eu une fille qui est morte? Oui. Et vous ne pouvez pas en parler? Non. Et vous n'avez jamais eu un autre enfant qui aurait survécu? Ma chérie! Tu es tellement adorable. Tu fais tellement attention aux autres. Mais ma petite Preciosa ne veut pas parler de sa fille morte, ni du reste de sa vie. Elle veut une nouvelle vie. Je ne pourrai pas dire qui je suis. Je n'ai pas la moindre idée et ça ne m'intéresse pas. Je suis quelqu'un sans origine, sans histoire, sans pays et sans attache. Et j'y tiens. Je suis là. Je suis libre. Je peux tout imaginer. Et si rêver veut dire être ce qu'on est, alors je vais être une rêveuse. Tout est possible. Je n'ai qu'à lever les yeux et je redeviens le monde. Sail on, sail from star to star. Not from land to land. The immensity of the sky is too big for me tonight. Void swallows me. I'm nothing all the great. Everything. Chimera, who plays who in the tavern of the city? Tu as un cœur en or, petite sœur, mais beaucoup de douleur là-dedans, hein? Beaucoup de douleur. Ça va aller, ça va aller. Chimera.